Chers amis internautes, Bonjour, je m'appelle Sergei Gironov et je suis un ancien officier supérieur du service d'espionnage du KGB du RSS et du SVR, le service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie. Aujourd'hui, dans mon cycle La vie d'un espion, je vais vous présenter une affaire d'espionnage, de meurtre et de la géopolitique récente. Le 20 août 2020, le monde apprenait avec stupeur une nouvelle scandaleuse affaire d'empoisonnement en Russie. Il s'agissait cette fois-ci du principal opposant à Vladimir Poutine, l'avocat Alexei Navalny, qui mène depuis des années des enquêtes pertinentes et accusatrices sur la corruption généralisée du régime de l'ancien officier du KGB, devenu en 2000 le chef d'État russe indéboulonnable. Ce n'est pas seulement la tentative d'assassinat de Navalny qui a marqué l'opinion publique, mais également son contexte international très particulier, presque aussi passionnant, qu'il faudrait préciser pour ceux qui ne le connaissent pas suffisamment. En effet, début août 2020, dans un petit État de Biélorussie, ancienne république du RSS, s'étaient passées les élections présidentielles, très véritablement truquées, qui avaient reconduit le dictateur inamovible Alexandre Loukachenko, qui s'accroche au pouvoir et au passé soviétique depuis 26 ans, depuis 1994. L'opposition biélorusse a rejeté sans ambiguïté ce suffrage manifestement falsifié et la communauté internationale n'a pas reconnu le résultat de ce vote entre guillemets, contraire aux normes démocratiques universelles. Loukachenko avait empêché son principal opposant, le blogueur Sergueï Tikhanovski, de se présenter dûment aux élections, y compris par son emprisonnement arbitraire. Sa femme, Svetlana, prof d'anglais, a pris alors sa place à la dernière minute en obtenant plus de 10% des suffrages malgré les conditions d'obstruction flagrante de la part des autorités de Minsk. Après quoi, craignant pour sa vie, elle s'est réfugiée dans la Lituanie voisine. Suite aux nombreuses manifestations populaires et à leur répression brutale par le pouvoir biélorusse contesté, les tensions internationales se sont profilées avec Poutine solidaire, qui s'est dit prête à intervenir pour maintenir en place le dictateur de Minsk à tout prix, par la force militaire s'il le fallait. Pour jouer les médiateurs et essayer de calmer les tensions, le président français Emmanuel Macron n'a trouvé rien de mieux inspiré que de s'adresser le 18 août par téléphone à l'autocrate Poutine pour qu'il intervienne en faveur de la démocratie et du peuple contestataire en Biélorussie. Cette sollicitation du chef d'État français était plus que bizarre. D'abord parce que Macron, de l'extérieur, demandait à un chef d'État étranger tiers de s'immiscer directement dans les affaires internes d'un autre État souverain. Une pratique clairement prohibée par le droit international. D'autre part, cette excentrique demande de Macron était intellectuellement antithétique, pour ne pas dire totalement déraisonnable, car Poutine, de son côté, en juillet 2020, a fait grossièrement changer la constitution russe pour rester au pouvoir potentiellement encore 16 ans jusqu'en 2036. Donc, demander à un grand dictateur russe qui veut garder sa place à vie et qui a truqué toutes les élections en Russie d'intervenir par miracle en faveur de la démocratie auprès de son petit dictateur frère biélorusse qui s'accroche de la même manière au pouvoir et truque les élections dans son pays de la même manière était et plus que surprenant de la part d'un dirigeant occidental intelligent et pragmatique. 2 jours plus tard, comme par hasard, en Russie se passait l'empoisonnement de Navalny, principal opposant à Poutine, telle une sorte de réponse brutale de Poutine à la médiation démocratique occidentale d'Emmanuel Macron, grossière, inopportune et bizarre. Après une tournée en Sibérie pour finir une énième enquête pour sa fondation anticorruption, Alexei Navalny a bu juste une tasse de thé dans un café d'aéroport de Tomsk avant de monter à bord de l'avion pour entrer dans la capitale de Russie. Quelques minutes après le décollage, il s'est senti soudainement très mal. Sur la vidéo amateur tournée à ce moment-là et qui circule sur Internet, on entend son cri de douleur avant de tomber dans le coma. Le capitaine de l'avion a pris la décision d'interrompre le vol normal vers Moscou, de changer de cap,
et de faire un détour pour atterrir d'urgence dans la ville d'Omsk, où Navalny a été hospitalisé dans le service de réanimation toxicologique du centre médical régional. Les agents du service secret russe, le FSB, qui suivent Navalny à la trace dans tous ses déplacements, ont averti bien évidemment le Kremlin, et les collaborateurs du leader de l'opposition ont alerté, eux, les médias internationaux. Les médecins locaux, habitués aux pratiques russes de l'époque de Poutine, ont commencé la lutte pour sauver la vie à Navalny, en administrant assez rapidement de l'atropine, qui est un remède classique pour les empoisonnements par les agents neurotoxiques, car les symptômes faisaient croire à son exposition aux substances du type des produits de la famille de Novichok, qui a failli coûter la vie à Londres en mars 2018, à l'ancien espion Sergei Skripal et à sa fille Yulia. La chancelière fédérale allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron, qui se rencontraient le soir même au fort de Brégançon en France, se sont dit très préoccupés par l'état de santé d'Alexei Navalny. Macron était tellement préoccupé qu'il s'est trompé à deux reprises sur le prénom de Navalny, ayant l'appelé Alexandre au lieu d'Alexis. Angela Merkel s'est dite prête à accueillir Navalny en Allemagne, et le régime de Poutine a commencé les manœuvres minables pour nier l'évidence, gagner du temps, critique pour faire disparaître les traces du poison employé, et éviter le départ de la victime à l'étranger de peur que l'on découvre les substances toxiques dans le corps de l'opposant à Poutine. Pourtant, sous la pression internationale unanime et grandissante, avec un retard de 48 heures, Navalny a fini par être évacué, toujours dans le coma, vers la clinique de Charité à Berlin, samedi 22 août. Assez rapidement, les analyses à Berlin, dans plusieurs laboratoires indépendants, ont confirmé la présence des traces des inhibiteurs de cholinestérase, enzyme qui sert à contrôler l'excès de l'activité de l'acétylcholine, neurotransmetteur au niveau des synapses neuromusculaires, ce qui constitue un début de preuve d'empoisonnement par les agents neurotoxiques puissants, du style des armes chimiques, gaz sarine, zaman et lévigaz. Les États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont condamné cet acte odieux et ont annoncé qu'ils pourraient mettre en place les nouvelles sanctions contre la Russie si les soupçons de l'empoisonnement de Navalny se confirmaient. En attendant, Poutine, à son habitude, nie toute implication de son régime dans l'affaire Navalny et joue sur les apparences de justice factice qui serait prête à mener une enquête judiciaire. Pourtant, aucune enquête digne de ce nom n'a jamais été menée en Russie sur l'empoisonnement d'Alexandre Litvinenko à Londres en 2006. Son supposé empoisonneur a été même élu député de la Douma, il reste toujours député de la Douma. Sur l'empoisonnement des Skripal à Londres en 2018, les supposés empoisonneurs ont été décorés et récompensés, et sur plusieurs autres assassinats politiques, dont celui de Boris Nemtsov. Et comme pour répondre indirectement aux sollicitations bizarres d'Emmanuel Macron, trop crédule quant aux capacités de l'autocrate Poutine de pacifier la situation critique en Biélorussie, le chef de Kremlin, cynique, a annoncé d'avoir donné l'ordre de constituer une réserve militaire des forces armées et des services secrets russes et les acheminer vers l'ouest au cas où la situation en Biélorussie mettrait en danger le régime du dictateur Alexandre Loukachenko, à qui le dictateur Poutine a chaleureusement souhaité un bon anniversaire le 30 août. Le despote biélorusse refuse de partir et de réorganiser les nouvelles élections normales, malgré les manifestations quotidiennes grandissantes d'opposition. Poutine prépare la nouvelle guerre, peut-être comme en Géorgie en 2008 ou en Ukraine en 2014 face à l'Occident impuissant. Alexei Navalny reste dans le coma à Berlin. Les médecins allemands continuent à essayer de lui sauver la vie. Ils craignent pourtant les séquelles neurologiques plus ou moins importantes, même dans le cas où le malade pourrait s'en sortir en fin de compte. Voilà, maintenant vous savez tout ce que l'on peut savoir pour le moment sur cette affaire. C'était L'avis d'un espion, présenté par Sergueï Gironov. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour décortiquer, analyser
et comprendre une affaire suivante.